ça, c'est-à-dire un peu moche. Enfin, pas moche, mais voilà. Oh, j'avoue, faut que je vienne chez toi, chauffe. Ah, ceci. En gros, je viens retravailler l'extérieur de la pièce et tailler un pied dans la matière. Tadam! Tu vas te faire couper le jus, ils vont croire que tu fais ça pour dépasser les 19 degrés. Après, je suis dans des bâtiments indus et tout. C'est tout doux. Ça va être. Ben, je sais pas. On verra comment ce sera. Hein. On verra à quoi ça ressemblera. Hein. Peut-être ce sera moche. Hein. Mais oui, Foki, c'est trop bien. C'est vrai que t'avais fait le tournasage en plus. Moi, c'est mon étape préférée. Et là, en plus, quand je fais les assiettes, ça vole de partout. J'en ai plein sur le sol. C'est trop, trop bien. Puis c'est là où tu vois vraiment la pièce finale se créer. Ouais, elle aussi, elle est pirée. Je crois que tous mes bols, ils sont pirés en fait. Ça, c'est pirité, ça, c'est pirité. Ouais, tous les bols vont être pirités. Pour les petites assiettes, il y en a peut-être une ou deux qui sont pas piritées. Hein. Il y en a une, j'ai pas l'impression de voir de la pirite à l'intérieur. Faire des ramen de copeaux. En vrai. Franchement, tu les fais bouillir, pas trop longtemps, hein, pour que ça reste tendre. Et ça part, hein. Je sais plus si tu nous avais montré. Attends, je peux te montrer sur le. Moi, je l'ai jamais vu encore. Merde, je crois que je. Faut pas que j'aille plus loin là, sinon je vais la casser. Je l'ai encore jamais fait cuire, celle-ci. C'était le premier paquet que j'ouvrais, hein. Mais attends, je peux te montrer sur le site pour avoir un peu l'idée. Hop, bon, attends, je vais finir plus tard. Alors. C'est le métier qui rentre, chauve. Le métier qui rentre. Bon, je suis désolée, je suis un peu plus loin du micro. Alors, on a Touc Touc céramique. Oh! Foki, tu savais que Touc Touc il fait de la céramique? Regarde. On a découvert Touc Touc céramique. Tu vois? Voilà. Touc Touc il fait des bijoux. Insane en fait, il nous avait caché ça. Touc il nous avait caché ça. Aïe aïe aïe. Attendez. GE 221 PI. Mais oui, Incre! Alors. Ça rend comme ça. Oh putain, ils sont nuls leurs photos. Oui, ça fait des petits points. Plus de photos là-dessus, non? Ah si, un peu. Vous voyez, voilà, ça fait des petits points comme ça. Qui passent à travers l'émail. Bon, de toute façon, bah, c'est un émail transparent, mais du coup, ben, c'est très beau, hein. Moi, je trouve ça trop joli, mais avec le décor en plus au-dessus, ça fait quand même... Bah, je sais pas. Je sais pas ce que ça va rendre. Ok, t'es malade, toi. T'es bourré! T'es bourré, le site! Il est ripou. Donc voilà, donc on verra un peu ce que ça rend, mais c'est pour ça que c'est très joli, mais ça prend. En fait, c'est très joli tout seul déjà. Donc quand tu rajoutes un truc dessus, je sais pas trop. On verra. On verra bien. C'est moi. Il cache bien son jeu de fou. Tu t'es pas trop coupé, chauve? Une crème à la vanille. Ouais, en fait, ça fait un peu ça. Pour décorer avec pirite, c'est très beau. Bon, on verra, hein. Mais je pense que ça peut être joli, mais bon, c'est pas. C'est surtout. C'est pas ce qui était prévu, quoi. Après, je pense que ça ira quand même parce que la terre en elle-même, elle est plus claire.
L'autre grès pyrité que j'avais utilisé, c'est celui que j'ai utilisé pour la cuisson au bois. Et la terre, elle est vachement plus sombre et du coup, je trouve que ça rend moins bien. Après, là, ça reste la même couleur de grès. C'est juste que ça rajoutera un peu de... un petit truc. Ce sera peut-être une révélation, peut-être, hein. Juste piquer le bout en ripant. Ok, ça va. Parce que ça peut vite couper, hein. Service livraison. Oui, SAV livraison. Vas-y. Me dis pas, il y a un problème avec la livraison. Please. Please tell me. Colis fait quelle taille à peu près? Il fait 20 par 20 par 20. 20 par 20 par 20. Je crois, oui. Parfois, je les envoie dans le modèle en dessous, mais j'en avais plus.